Bonjour. Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui? Bah écoutez, moi ça va très très bien. Il est 9h, je me réveille tout doucement. Bon, je suis réveillée depuis un quart d'heure, 20 minutes. Et j'ai traîné, traîné. Et là, bah, je suis descendue et qu'est-ce que je vois? Un grand soleil. Ouais, génial. Donc bah là, je prends mon temps. Franchement, je me précipite pas. Bah, j'ai encore beaucoup de choses à faire, hein. Hier, j'ai fait une liste de mon programme que j'ai à faire aujourd'hui. Et encore, je suis sûre que j'ai oublié des choses, mais ça viendra au fur et à mesure. Donc là, bah, vous voyez, je suis en pyjama, hein, voilà. Avec mon petit peignoir, parce que quand on se réveille, il fait un peu frais quand même, hein. Bon, les radiateurs étaient encore allumés. Bon, là, je les ai éteints. Et parce que là, il fait vraiment beau dehors, hein. Donc là, je suis au petit café. Mon petit expresso. Oh, je suis trop contente qu'il fait beau comme ça. C'est agréable, ça me motive en fait. Je vous ai fait montrer mes fraises. Et puis le plant de poivrons et de tomates cerises. Eric me les a mis hier. Réglisse, comme d'habitude sur la terrasse, il adore le soleil. Et Mathieu devant, qui attend ses copains qui passent. Mais pour l'instant, il n'y a personne. Ils vont pas tarder, hein, parce que souvent l'heure, c'est 9h30. Va pas tarder. On est le 26 avril. Ça passe trop vite. Oh, le mois d'avril va être terminé. C'est incroyable. Bah, bah, bah. Oh, j'aurais bien resté encore dans mon lit, hein, je vous le dis. Ah, hein. Oh, ouais, j'avais envie de flemmarder aujourd'hui. Mais bon, je ne peux pas. Hein. Je ne peux pas. Je voulais me faire des tartines grillées, puis après, je me suis dit, oh non. Est-ce que t'as vraiment faim? Non. Non, j'ai pas vraiment faim. Donc, alors, le programme aujourd'hui. Tout d'abord, ah oui, parce que je vais vous lire dans l'ordre, hein, voilà. Hier, j'ai tout noté, ce que j'avais à faire. Mais j'en suis sûre que j'ai oublié des choses. Mais bon, ça viendra au long de la journée, je pense. Donc aujourd'hui, bah, j'ai du linge, voilà. Julie m'a descendu son linge à laver. Je l'avais dit hier. Donc, hein, du coup, on a mis les points sur les i avec elle. Hein. Enfin, j'ai mis les points sur les i parce que c'était pas possible. Donc, elle m'a descendu son linge. Donc, j'ai du linge à laver aujourd'hui et le linge de Vincent également. Après, bah, le nôtre, hein, d'hier, quoi. Je parle en ménage, hein, le ménage quotidien, la lessive, le repassage, j'ai un panier, un petit panier, hein, à repasser, c'est beaucoup des t-shirts. J'ai les poussières à faire du salon, je sais pas, mais pardon, plus que je le fais, plus j'ai de la poussière, je ne comprends pas. La cheminée ne fonctionne pas. Ah, c'est dans l'air. Voilà. Eric, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, c'est dans l'air. Bah, et puis aussi les radiateurs. C'est vrai. Ça donne beaucoup de poussière, les radiateurs. Mais bon, tant pis, hein, on va pas se les cailler hein, pour pas avoir de la poussière. Hein. C'est pas possible. Bon, et puis ça se nettoie. Hein, c'est pas grave. Le repas, aujourd'hui. Alors, attendez. En poussière, moi, je l'ai mis dans la zone. Voilà, comme ça. J'aurai ça à faire. Je dois faire mon frigo également. Ça, c'est un peu le bazar. Un peu le bazar. Un peu. Ouais, voilà. Donc là, faut que je le fasse parce que ça me saoule. On retrouve rien. À chaque fois que je fais le frigo, ils remettent jamais à leur place. Mais c'est dingue, ça. Donc je vais le faire, là. Ça va durer 15 minutes. Avec le nettoyage. Le repas aujourd'hui. Alors, Vincent,
Dans mon retour de course, vous allez voir, j'avais pris une pizza pour Vincent. Et il m'a dit, bah, maman, laisse-le ici, laisse-la ici, je vais la manger demain. Ben, j'ai dit, ok. Donc, pour le repas de ce soir, quand moi je ne suis pas là, ça sera la pizza et des hot dogs. Parce qu'il ne me restait pas à hot dog. Et je leur ai dit, vous voulez ça? Ils m'ont dit, oui, pas de problème. Eric me dit, tu sais, moi, je mange bien le midi. Le soir, j'ai pas très faim. Je connais sa chanson. Je sais que quand je ne suis pas là, il mange pas beaucoup. Donc, pizza, hot dog, ça sera très bien. Pour moi, pour la séance, je vais me faire des coquillettes avec des épinards que j'ai achetés hier également, avec une petite omelette. Je vais aller chercher du pain au magasin. Je vais peut-être le prendre chez Aldi, hein. Comme d'habitude, je prends le pain platine parce que le mercredi, mon boulanger est fermé. Et puis le sirop parce que hier j'ai oublié de l'acheter. Et il me faut un bouquet de fleurs parce que les roses que j'ai achetées, franchement, je suis déçue. Elles étaient très belles et elles ne s'est vraiment pas ouvertes plus que ça. Donc je vais acheter que des tulipes. Les tulipes, c'est très bien. Je dois prendre mon traitement. Alors, mon traitement pour mon nez, les oreilles, vous savez, là. Mes médicaments du quotidien de ma maladie. Et les vitamines. Aujourd'hui, c'est les vitamines. Normalement, c'était lundi, mais j'ai zappé. Donc, hop, je vais les prendre aujourd'hui. Alors, c'est les vitamines B12 et la vitamine D. Ah bah oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, hein. Il faut des vitamines aussi, hein. Ensuite, j'ai des photos à faire, à mettre sur Vinted. C'est des chaussures. Donc, comme hier, vous savez, j'avais fait mon grenier et tout, et j'ai retrouvé des chaussures à moi que je ne mets plus. Donc, ça, et j'ai des livres à mettre sur Vinted également. Voilà mon petit programme de la journée. C'est déjà pas mal, hein, je trouve. Hier soir, avec le risotto, on s'est régalé. C'était super bon. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et franchement, c'était super bon. J'ai fait 400 grammes de risotto et franchement, je trouve que c'est trop. Là, il me reste à peu près une assiette et demie. Donc, j'avais mis 400 grammes et je pense que la prochaine fois, je mettrai que 300 grammes. Sachant que Eric en a pris pour le travail, hein. Donc, franchement, c'était trop trop bon. Avec j'avais coupé mes escalopes de poulet en cubes. J'avais fait revenir ça avec un oignon rouge et franchement, c'était excellent, excellent. Eric m'a cueilli ma rhubarbe. J'avais deux grandes tiges, donc il me les a cueillies. Je vais les manger tout à l'heure, après le repas. Je pense que je vais manger ce midi parce que comme là, je déjeune pas. Je vais manger ce midi. Vous avez entendu? Mathieu qui veut rentrer. Tout le temps, il me fait ça. Hier soir, en prenant ma douche, j'ai essayé le nouveau shampoing que j'ai acheté. Vous savez, le shampoing aux figues de Barbarie. Franchement, comme ça. Je l'adore. Il fait des cheveux trop, trop doux. Je trouve qu'il les place bien. Bon, là, je ne suis pas coiffée, hein. Mais hier, j'avais fait avec mon sèche-cheveux et tout. Franchement, comme ça. Et pour le prix, il était vraiment pas cher. Du coup, je vais aller me racheter au moins deux bouteilles aujourd'hui. D'ailleurs, je vais le noter sur ma liste parce que sinon, je vais oublier. Je vais vous le faire montrer pour celle qui regardera pas le retour de course. Je mets bien l'étiquette. C'est celui-ci, le shampoing, le Petit Marseillais. À l'huile de figue de Barbarie bio. Et franchement, il n'est pas cher du tout. Hein, il y a moins de 2 euros, je crois, je sais plus. Mais je sais qu'il est vraiment pas cher. Et du coup, je suis trop, trop contente d'avoir trouvé le shampoing. C'est d'origine naturelle. Pour les cheveux abîmés et cassants. Donc, c'est parfait. Bon, allez, j'ai fini mon petit expresso.
Voilà, bon, on va démarrer la journée. Hein. Je vais allumer la télé, je vais regarder TPMP parce que hier je ne l'ai pas regardé. Donc je vais le mettre. Et puis tout en nettoyant, Mathieu qui veut son fiche, sa petite gourmandise, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux affiche? Oui? Affiche? Viens. Mais viens. T'es où? T'es là. Attends, on ne te voit pas. Qu'est-ce que tu veux? Vous voyez comment il le fait montrer avec sa tête? Voilà. Il sait qu'ils sont là. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Affiche? Oh non. Oui, je vais te donner. Oh non. D'accord, on y va. Allez, viens. Oh non! Oui, je te donne. Allez, viens, on y va. Petit gourmand, va. Oui, je vais te donner. Attends, assis-toi. C'est bien, allez, va. Vous voyez? J'en ai donné un à Réglisse aussi. Hein. Ah, deux Réglisse, parce que Réglisse a une grosse gueule. Hein. Donc, un seul, c'est pas suffisant lui. Hein. Mais bon, il n'a pas mangé tout de suite. Hein. Il est bien sur sa terrasse. Hein. Donc, faut pas le pousser, Réglisse. Hein. Il est bien au soleil. Hein. Donc, je vous y disais, le risotto était excellent. Donc là, il me reste une assiette et demie. Il est dans le frigo, hein, donc ils vont le finir ce soir. Et il reste 5-6 morceaux de poulet également. Donc si Eric le veut ou Vincent, on verra bien. Par contre, qu'est-ce que j'allais dire? Oh, j'étais prête à le dire là, et paf, j'ai oublié. Ah, pas mince alors. Bon, c'est pas grave, ça va vous revenir. J'avais un petit cheveu. J'ai la menthe qui pousse super bien. Elle est trop trop belle. Donc là, je vais dire à Minnie qu'elle vient. Je sais pas quand. Ou à moins que moi je lui déposerai. Comme ça, Quentin pourra le repiquer tout de suite dans son jardin. Comme ça, elle en aura. Parce que moi, je suis pas là samedi matin. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Oui, vous voyez, je suis là et je pars par là. Mais c'est pas grave, vous me comprenez, hein, j'en doute pas. Le temps pour ce week-end. On a vu la météo hier et franchement, il fait super bon. On est trop contents. On croise les doigts que ça reste comme ça. Allez, on croise les doigts. Du coup, oui, je vous disais pour la menthe, je vais dire à Eric qu'il enlève un pied et puis que je lui ramène soit aujourd'hui, soit demain, ou soit vendredi. Voilà, c'est les 3 derniers jours que je peux y aller. Elle ne pourra pas venir parce qu'elle finit, elle rentre chez elle, il est 18h30 avec le travail. Quentin également. Ouais, en plus j'ai du courrier à lui remettre. Elle a eu le papier de Hera. Hera, c'est son chien bengal, de sa femelle. Elle a eu le papier du loft. C'est ça qu'on dit? Je sais plus. Attendez. Oui, c'est ça, le loft. Le pédigré, en fait. Elle l'a reçu. Voilà. Avec le petit tampon là. Alors, c'est Hera, elle s'appelle Hera, c'est un bengal, sexe femelle, née le 7 juillet 2022. Voilà. Le père, la mère, et patati, patata. La première fois que j'en vois un de ma vie. Hein. Bon, mes chiens n'ont pas de l'enfant. Hein. Donc, elle en a deux, hein, deux bengals. Le premier, c'est un mâle. Il s'appelle Zeus. Et la deuxième, Hera, avec des yeux magnifiques, qui s'appelle Hera. Voilà.
Et je voulais revenir aussi sur le carnet que j'ai acheté aussi. Oh, je l'ai testé à Eric. Vous savez, avec le crayon qui s'efface là. Il me dit, waouh! Il dit, oh, tu vas crâner et tout. Abuse pas quand même. Hein. C'est qu'un livre. Hein. Et en fait, je pense que sur ça, je vais noter mes repas. Oui, parce que j'ai décidé de refaire mes repas la semaine prochaine. Pas cette semaine, parce que ça sert à rien, on est mercredi. À moins que je ferai du mercredi au mercredi, mais non. Je préfère faire du lundi au dimanche. Comme ça, après, je repars une nouvelle semaine. Donc, au moins, bah, je vais pas user tes pages et au moins, je peux l'effacer. Voilà. Donc, je ferai mes repas dessus. Demain, j'ai une petite recette à faire. Voilà, je voulais le faire aujourd'hui, mais comme je ne suis pas encore là, je vais la faire demain parce que je voulais goûter. C'est des galettes de courgettes au parmesan. Donc, en plus, dans toute la recette, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, ça, c'est plutôt cool. Hier, j'ai regardé Hello Famille et elle m'a fait montrer son petit retour de course. Enfin, elle m'a fait montrer, non, pas du tout. Elle a fait montrer son retour de course et elle avait acheté une plaque de chocolat noir. Je crois que c'était à la mangue. Mangue, je ne sais plus quoi, poivre? Oh, je ne sais plus. Chez Carrefour. Donc, je vais y aller tout à l'heure parce que de toute façon, il me faut du sirop, comme je l'ai dit. Et du coup, je vais aller voir si à Carrefour Market, il l'a. Et je dois aller chez Action aussi, mais je ne sais pas si j'aurai le temps d'y aller aujourd'hui. Au pire, j'irai dans la semaine. C'est pour faire la cloche. On voit que ça sur les réseaux. La cloche, c'est une cloche en verre et vous mettez votre famille dedans en forme de petit bonhomme et avec une décoration de fleurs séchées et tout. Donc, j'ai noté tout ce qu'il fallait pour faire cette cloche et elle me plaît bien. Ça va représenter ma famille. Donc, moi, Eric et les trois enfants. Donc, et ça a l'air si simple hein, parce que moi, faire les activités manuelles, ce n'est pas mon truc. Mais alors, pas du tout. Hein. Et là, je l'ai regardé plusieurs fois l'activité. Hein, et franchement, ça a l'air simple. Mais je ne vais pas la faire toute seule. Julie va m'aider parce que Julie est forte en activité. Donc, je pense faire ça. Voilà. Mais je vous dis Carrefour. Carrefour. Action, je sais pas. Mais après, j'ai peur que les cloches, il n'y en a plus parce que là, c'est la folie sur TikTok. On voit que ça sur Insta également. Donc, j'ai peur de ne pas en avoir. Mais il faut pas mal de choses parce qu'il faut la cloche, il faut les petits bonhommes. Alors, les bonhommes, il m'en faut plusieurs parce que vous avez les parents, vous avez les enfants. Donc, moi, il me faut que ça. Voilà, des grands et des moyens. Parce que moi, les petits, c'est pas la peine, j'ai pas de petits. Moi, c'est que des grands. Donc, ça, la cloche, les bonhommes, la palette de peinture. La peinture, il faudra. Les feutres, je les ai. Donc, c'est cool, c'est avec une pointe fine de feutre. C'est pour faire les yeux, tout ça. Donc, ça, j'ai. Des lettres en bois. Des perles en bois parce que ça c'est pour les superposer et installer les fleurs séchées à l'intérieur et la colle. Voilà. La colle entre guillemets parce que je crois que Julie a un pistolet à colle. Donc est-ce que ça serait bien ou je prendrais de la colle à tube pour les activités manuelles. Donc je vais voir. On verra bien. Donc voilà pour le programme de tout ça, hein, voilà. Donc oui, je vous disais demain pour les galettes et je ferai ça avec, je sais pas si je ferai ça avec du riz et puis pourquoi pas du saumon, ouais, parce que souvent on dit c'est le vendredi le poisson, mais moi je suis pas là le vendredi. Donc moi en fait les jours sont vraiment décalés, hein. Par exemple, ce qu'on fait le vendredi, bah, moi je le ferai le jeudi. Par exemple, le poisson. Voilà, comme je viens de le dire. Vous avez tout compris. Donc, on verra. Par contre, je suis dégoûtée.
J'avais acheté une noix de coco, il y avait plein de jus à l'intérieur, et là, il n'y a plus rien du tout dedans. Il n'y a plus de jus. Mais Eric m'a dit c'est normal avec la chaleur. Je suis dégoûtée, j'aurais dû le mettre au frigo. Donc, il va l'ouvrir parce que sinon, ça va être gaspillé. Et je vais essayer de faire des copeaux avec. On verra bien ce que ça va donner. Bon, allez, ça fait déjà 20 minutes que je vous parle. Je vais activer ma journée parce que l'heure tourne, tourne, tourne. Ouais, il faut que j'y vais. Donc là, je vais les mettre ma machine en route. Je vais dépendre le linge, le plier, pendre le linge. Voilà, j'ai plein de choses à faire. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, le linge est pendu. Maintenant, je vais le sortir dehors, comme ça, il va sécher au soleil. Le linge est plié, chaussettes pliées. Et là, je m'attaque à ranger le lave-vaisselle. Voilà, tout ça à ranger parce qu'il a tourné hier soir. Du sel, du poivre. J'ai mis de l'ail en morceaux, mais je vais remettre un peu d'ail en poudre. De l'ail semoule. Voilà, pas beaucoup, hein. Voilà, un petit peu de persillade. C'est tout. Voilà, maintenant je vais laisser cuire. Tout doucement, à feu très très doux. Bon, voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Bon, il y a encore les machines qui sont en train de tourner, mais bon, ben, ça, il faut attendre assez longtemps. Donc là, tout est fait, à peu près fait. Là, j'ai. Comment? La Soda Stream. Voilà, c'est la Vincent, celle-ci. Moi, la mienne, elle est rangé et moi j'avais plus de gaz. Donc Vincent m'a prêté la sienne et les bouteilles c'est à moi. C'est limonade blanche et j'ai acheté du Pepsi, je vais vous le faire montrer. Donc voilà, j'ai acheté Pepsi, je voulais Coca-Cola mais ils font pas. Donc Pepsi, je vais goûter. Et là, la Soda Stream de saveur limonade au citron. C'est sans colorant. On l'a testée hier, celle-ci, franchement, super bon. Donc, je regrette pas du tout. Donc, bah, ça, c'est celle à Vincent. Hein. Du coup, bah, je vais faire une bouteille de Pepsi après, parce que là, je vais manger. Je vais vous faire montrer mon assiette. Tranche de jambon blanc avec des petites coquillettes au parmesan et mon petit Coca-Cola. Et en dessert, je me suis préparé des framboises. Voilà, là il est midi 43. Bon appétit! Et c'est réglé. Bon, voilà, j'ai préparé le Soda Stream. Je vais faire une bouteille de Pepsi. Voilà, je vais tester. C'est la première fois que je vais tester. Alors, Vincent m'a dit, on le met comme ça. Voilà. Et ensuite, j'appuie ce que tant de faire du gaz. Voilà. Là, c'est bon. Voilà. Hop, vous voyez. Tout simple. Là, je peux faire de l'eau gazeuse aussi. Hein. Voilà, je laisse comme ça, sans parfum. Et là, je vais mettre un bouchon de Pepsi. Je sais pas si vous voyez bien. Hein. Ouais. Ça sent bon. Ça sent la lessive. Non, je plaisante. Je plaisante. Alors, un bouchon. Hop, si j'en mets à côté, ça va pas aller. Donc, je mets un bouchon. Je vais goûter. Mais d'abord, je vais le mettre au frais. Parce qu'il faut que ça se boit bien, bien frais. Donc, je vais le mettre au frais. Et puis. Et puis, bah, je vais goûter et je vous dirai. Voilà. Donc, je referme. Bien, bien fort. Et je renverse
pour bien faire couler le sirop. Voilà, bien, bien, bien faire couler. Voilà, et je vais mettre ça au frais. Voilà, ça me fait... Bon, je vais nettoyer parce que ça colle. Ça me fait 1 litre de boisson, Pepsi. Donc là, on n'a qu'une bouteille, mais moi, je vais en racheter. Comme ça, je pourrai en faire plusieurs parfums. En plus que là, en boisson, il faut beaucoup, beaucoup de parfums. Donc voilà. C'est la SodaStream Terra. Voilà, SodaStream Terra. Allez, au frais pour cette boisson. Allez, une petite pause de quelques minutes en grignotant des graines de tournesol. Et je vais regarder les prospectus parce que j'en ai reçu. Et ben, je vais feuilleter en mangeant mes tournesols. Voilà. Bon, je vous reprends beaucoup, beaucoup plus tard. Il est 16h40. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et après, je me suis posée un petit peu pour manger des graines de tournesol. Et puis, je reprends encore, je me repose, voilà, parce que j'ai plus rien à faire. J'attends Eric qui rentre. Et puis après, on buvra un bon petit café ensemble avant que je parte à la séance. J'ai préparé... ma gamelle, j'ai préparé mes framboises pour mon dessert de ce soir. Je vais prendre une banane également. Et du coup, j'ai pas été au magasin, comme je vous ai dit, chercher le pain, le sirop, tout ça. En fait, je vais y aller quand je partirai à la séance. Parce que c'est pas des choses importantes qu'on a besoin là tout de suite. Du pain, il m'en reste, donc il y en aura assez pour ce soir. Et puis, si Eric veut manger avec un morceau de fromage, parce que ce soir, c'est pas spécialement le pain. C'est le pain hot dog et j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, j'irai juste chercher le sirop et puis le pain, je sais pas, je vais voir. Parce que moi, le pain de chez Carrefour, j'ai jamais acheté, mais nous, on préfère soit la boulangerie, soit le pain platine de chez Aldi, en fait. Donc, je verrai. Donc, il me fallait... du sirop, j'ai noté. Et puis, du coup, je vais prendre la plaque de chocolat si je trouve. Sinon, si je peux pas y aller aujourd'hui, j'irai chez Carrefour, le grand magasin Carrefour, directement demain. Comme ça, je trouverai plus de choses. Et puis, du coup, j'ai pas été chez Action non plus. Hein. Chez Action, je devais aller rechercher mon shampoing. Et puis, du gel douche Sanex pour moi partir ce week-end. Et puis, il me faut du riz à risotto. Bon, ça, c'est pas important. Hein, parce que comme j'ai fait du risotto hier, là, j'ai tout fini. Donc, je l'ai noté sur la liste. Hein, voilà. Chaque fois qu'il manque un truc, je le note sur la liste. Donc, du riz à risotto, le sirop, produit à vaisselle, parce que je l'avais noté, mais je ne l'ai pas acheté. Du dentifrice pour Julie. De la lessive, je vais en reprendre. Du sucre, mon bouquet de fleurs. Le chocolat que je vous ai dit chez Carrefour, chocolat, plaque de chocolat noir. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il faut pour l'instant. Et puis bah, je verrai sur place s'il y a des dates courtes ou on verra bien quoi. Donc je suis toujours avec mes graines de tournesol. Là, franchement, elles sont délicieuses ceux-là. Oh, j'adore, trop trop bonnes. Elles sont bien grosses et tout, c'est agréable à manger en fait. J'étais en train de regarder les prospectus, mais j'en ai eu 8 marres. Du coup, j'ai arrêté. Là, je me suis bien abîmé l'ongle. Je ne sais pas si vous allez le voir. Regardez, pourtant, je ne sais pas si vous allez le voir. Il me manque un bout ici. Mais ça, c'est à force d'écarter les... Vous savez, les graines. Moi, je le croque comme ça, puis après, je l'écarte comme ça. Et franchement, ça m'abîme tout l'ongle. Tout l'ongle. Mais bon, c'est pas grave. Tant pis. Voilà, et puis sinon, bah là, il fait beau. Le soleil est toujours au rendez-vous. Ma porte devant est ouverte. Ah, je voulais vous dire, pour le SodaStream, le Pepsi, délicieux. Oh, c'est trop bon, franchement. J'ai pris que ça dans le verre, parce que je me suis dit, si j'aime pas, je ne vais pas gaspiller. Et bah, j'adore. J'adore, j'adore, donc...
tranquille. Je serai tranquille si je suis en manque de Coca-Cola, que j'en ai plus, et ben moi j'aurai le Pepsi et je suis très contente. Donc voilà pour aujourd'hui ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, je viens de mettre mes gouttes dans mon nez. Voilà, parce qu'il faut le faire plusieurs fois dans la journée. J'aime pas ça, mais bon, il faut le faire. Je vois un petit chouïa comme ça de changement. C'est vrai que ça commence, mais c'est vraiment très, 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 très léger, hein. Voilà. Je sens que je respire mieux quand je dors et tout. Hein. Donc voilà. Bon, allez, je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner également. C'est totalement gratuit. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur la petite cloche. Et puis, vous aurez toutes mes vidéos en temps et en heure. Voilà, comme ça, vous serez avertis. Voilà, allez, je vous fais de gros gros poutou poutou. Et je vous dis à demain pour un prochain vlog. Bisous! Ciao!